Dans le dernier épisode de leur aventure, nos pirates Netek, Mojo Jojo et Capitaine Bulle ont finalement trouvé les trésors tant convoités. Mais alors qu'ils célébraient leur succès et qu'ils s'apprêtaient à rentrer chez eux, leur bateau a subitement explosé. Oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? On était tous les trois là. Ah bah merde, j'ai attrapé le baril et il est rentré en contact avec l'un de vous. Mais non! Donc là, il va falloir juste enlever le feu du bateau. Tous les coffres. Il va falloir réparer. Il y en a qui éteignent le feu, il y en a qui réparent. Vas-y, moi je répare. Et éteindre le feu, c'est prendre le seau, c'est ça? Ouais, c'est prendre ton seau, tu le remplis d'eau avec le tonneau qu'il y a et où il y a de l'eau dedans et tout. Moi je vais réparer parce que là on a des dégâts à la coque. Vous pouvez écoper aussi, hein. Et l'eau, le feu avec. On peut écoper et utiliser l'eau qu'on a écopée pour éteindre le feu avec, non? Allez là. Est-ce que l'eau salée ça avive pas le feu? C'est pas gros. On est pas sur le bateau, là. Il est vivant notre bateau? Non, on est sur une nouvelle île, on a perdu tout notre loot là? Il est mort notre bateau? Mais non. L'explosion elle a tout pété, mais non. Attends, on est où? Que ça veut dire qu'il faut retourner chercher notre loot. On était... Ok, on est pas loin, on peut y retourner. Tout droit. C'est à fond, messieurs. Franchement, alors là, improbable. Planque, vaut mieux le faire à 3, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ouais, bah là, tout droit. Légèrement sur gauche, mais c'est vraiment tout droit. Qu'on voit ? C'est déjà le lead qu'on voit, là. C'est un peu plus sur gauche. Regarde, reste comme t'es. Reste ce cap, là. Ouais. On va falloir tout récupérer, là. Va falloir une... Dans les barils, c'est vraiment de la merde. C'est l'île qui est derrière là-bas, là. Après. La braque un peu à gauche. À gauche. Il nous a pété le bateau en un coup. C'est quoi cette histoire? Mais non! Quelqu'un avait copié aussi, vous aviez regardé? Est-ce que le coffre de chacun, on l'avait pas trouvé? Ouais, mais c'est pour ça en fait. C'est impossible qu'un braque comme ça nous coule, c'est parce qu'on était déjà rempli, putain. Hein. Ah, faut que j'y pense, ces trucs-là. Allez, plus à gauche. Encore plus à gauche. Et on va déjà relever cette voile-là. Et la Mojo, scoot, si tu vois nos loot dans l'eau là. Il y a un bateau qui vient dessus, mais. Tout ça. Et il arrive de. Nord-est, plein de loot là. Ah, c'est ici, on s'arrête, l'ancre. Ok, c'est bon. Vas-y, on ramasse tout, les gars. Encore devant là, à gauche là. Ah ouais, c'est bon. Sauter, ramasse. Non, c'est bon, du coup, je t'attends, reste. Ok. Là ah, bah, allez, on va tout avoir. On l'a encore le coffre qui pleure? Ah ouais, il est là, putain. Faut faire gaffe à ça, du coup. Il y a tout le temps quelqu'un dans la cale hein, à scouter là maintenant. Qui le coffre qui pleure? Le grog là? Ah ouais. Et du coup, il nous reste encore une île. C'est fini, l'autre île, elle est nord-ouest. Ah, 4 du coup. Nord-ouest. Du coup nord-ouest. Il est en train de pleurer, je crois, le coffre, oui. On allait le vendre vite, lui. Ouais, on va s'en occuper de ça. Faut pas s'arrêter à l'avant-poste et vendre des trucs, là, déjà. On va aller sur l'avant-poste à gauche, là. Ok, bah, l'île qui est à notre bâbord, c'est un avant-poste, on peut vendre, ouais. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Crescent. Pleure encore, l'autre idiot, hein. Ah, j'ai trouvé, putain, Crescent. Ah, il s'est là. Oh. On y est. Vas-y, vise le ponton, là. Vas-y, mets l'ancre. Et on est parfait, là. GG. Maintenant, on va tout vendre, les gars. Enfin, lui, le sortir, ça va être quelque chose. Il y a des trucs dans l'eau, là. Décharge d'abord le bateau, Mojo. Il n'est pas... Qui que je vends les coffres? Attends, Néné, reste ici. Vas-y, vends ton truc, vas-y. Et vas-y, vote avec moi ici, là. Ah, là, on va monter la réputation et les trucs comme ça, mais on a mis le pavillon d'émissaire comme ça. Du coup, on s'y sauf, on est là, quoi. Non, pas encore. On n'est pas encore assez visible. Nous, on les voit, mais eux, pas encore. Par contre, à partir du moment où ils sont niveau 5, je crois que, ouais, eux, ils voient tout le monde. Il y a un pavillon d'émissaire. Je suis loin, bordel. Tu vois, il y a le score d'émisseur qui augmente en bas là. De coffres au plus en bas. De trucs que par rapport à... Parce que même quand on fait de la quête, ça les augmente quand on déterre les coffres et tout, je crois. Quand on navigue et tout, quand on remplit à succès la mission, ça l'augmente. Donc si tu le mets avant de partir en mission, bah quand tu reviens au port pour vendre, t'es déjà limite au max, donc tu vends à full price. Et là on est vraiment très loin, putain, on va se faire chier. Limite on fait le tour et on arrive, on se met en face. Ça passe à la caisse. Pour acheter un bateau pour ensuite faire de la personnalisation et tout là. Un comme ça c'est 375 000 je crois. Et un la sloop je crois que c'est 250 000. Moi je dépense de l'argent en personnalisation. Comment ton objet? Bah écoute. On met les voiles. Bah en attendant, portez-vous bien et je vous dis très vite, salut les copains!